Amis internautes et amis le citoyen et la cité, ça fait un bon petit temps que nous avons fait un petit silence. Il y a un peu de monde qui est toujours en train de nous qui ça qui passé ou pas ou nous sous toi là. Mais c'est pas parce que nous abandonné, c'est tout simplement parce que nous avons un ensemble de préoccupations qui est importante, même gens avec le citoyen et la cité qui étaient préoccupés nous. Et puis nous avons pris une petite distance avant que nous nous reparaître encore. Donc, je ne connais nous toujours à faire en sorte que nous rencontrions des citoyens responsables et des citoyens engagés dans les affaires communautaires pour nous toujours faire en sorte que réflexion nous arrivions à nous en ou même nous souhaitons là. Donc, c'est dans ce souci ça, je dis, pour commenter l'actualité, la réalité du pays d'Haïti, l'actualité politique, socio-économique, etc. Donc, nous décidons aujourd'hui de voter pour vous. Dans le plat, bien entendu, il y a un groupe autorique garçon, citoyen haïtien et citoyen engagé, philosophe de formation, doyen et professeur à l'université, qui va discuter avec nous, parler ensemble avec nous. On va laisser place à elle pour le présenter nous. Professeur de Wisson, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les internautes. Bonjour Gédéon. Alors, c'est un plaisir pour nous. Peut-être point de vue par nous sur la situation du pays. Bien, et ça fait quelques jours depuis que je suis arrivé sur le campus, mais je cherché interview ça malheureusement, tant pas trop bon côté nous. Donc c'est ça, c'est aujourd'hui, on a côté les amis internautes. Professeur Dorismond, nous avons vécu dans une situation qui est tout à fait complexe et dans l'ensemble de discussions nous avons en commis, compréhension de société. Li intéressé nous pour nous partager avec toute communauté. Donc moi à poser une question au professeur, comment comprendre la réalité aujourd'hui et d'avoir même qui ça qui mettez nous là. Bon, faut nous dire que la réalité a déjà dans la formulation li mené à deux prises en compte très complexes parce que la réalité elle comprend sur plusieurs aspects, réalité politique, sociale, économique, culturelle et tout ça. Mais bon, en règle générale, surtout par rapport à ça que nous avons comme préoccupation dans le pays, la réalité, elle n'a pas les deux comme ça, nous peut se dire que ça a passé dans la politique du pays, l'expérience politique et sociale que nous avons traversée aujourd'hui à l'AIO, et qui s'en se gagne. Bon. De façon globale, m'a dit comme ça, que ça n'a pas constituer réalité de nos jours, l'hypothèse par un problème de sens. C'est-à-dire un problème qui est lié d'abord à la dynamique globale de la société en termes de capacité pour nous-mêmes, pour la société, à produire du sens dans la perspective, permettre que nous habiter cet espace-là, permettre que nous projeter dans l'espace là et permettre en même temps tout que nous quitter de bagailles pour génération qui a fini là-haut et pour être capable de bien. Donc, qui s'applique à expliquer justement un problème sans ça, pour moi-même, d'y aller dans la dynamique première, fondamentale, primordiale de structuration société haïtienne, que souvent nous ne pas prendre en compte parce que par moment nous dans une situation de plainte, de lamentation, comme si nous frappé par une fatalité, comme si nous frappé par un fantôme, j'aimerais que tu es capable de dire, alors que si nous avons gardé dès le départ, situation, constitution, société haïtienne, non, et un ensemble d'éléments qui étaient mis en place. Alors pour me rappeler de façon rapide, société haïtienne, non, on origine. Bien dit, origine, c'est pas un commencement historique précisément, dans l'esclavage, et que souvent, l'esclavage, là, historien étudie comme fait historique, raconté comment ça a été, que ça a été constitué, mais pas jamais étudié dans la perspective philosophique, bien entendu, comprendre que l'esclavage, là, c'est moment de genèse, de constitution, dans le sens philosophique, pour moi, société haïtienne, non. C'est une institution paradoxale
dans le sens que l'esclavage là, en tant qu'institution, l'institut en mode d'expérience sociale qui chita sous violence, sous domination, sous humiliation, discrimination, alors que fondamentalement toute institution là pour assurer l'institution de l'humain. Donc, le paradoxal, le monstrueux esclavage là, parce que l'I en tant qu'institution produit l'inverse de ça, toute institution est supposée produire de l'humain, alors que l'humain le produit bestialisation, bestialité. Ça qui fait me dire que dès le départ, société haïtienne a structuré dans une brèche et qui fait que structuration est toujours difficile puisque brèche là va jamais colmater. Brèche là, c'est qui ça? C'est l'expérience de l'esclavage comme violence, comme bêtise et que nous pouvons traîner avec nous tout au cours de l'histoire. Nous, dans le moment qu'on y a là, nous sommes capables de nous atteindre un pic, c'est-à-dire une étape extrême côté. Ça n'est les brèches là, l'ouvre plus, par bêtises qui traversent les sociétés à l'y installer de façon, l'y répandre de façon plus large, qui fait que nous avons une situation d'extrême déstructuration, de désymbolisation sociétaire, autrement dit, nous plus vers une destruction de l'humain, de l'installation de la bêtise qu'autre chose. Bien, et si je comprends après souvent, c'est que nous sortons une dynamique esclavagiste, donc une forme de chosification donc, qui est caractérisée par la violence généralisée dans le sens, côté que en logique de domination, etc., et que nous allons rentrer dans une nouvelle société, dans une construction sociale qui va nécessiter, on est capable de dire, un réaménagement de l'humain, dans le sens, c'est-à-dire une réappropriation de l'humain, si on est capable de dire. Parce que si on a considéré l'esclavage là, comme un espace de transition par rapport avec une nouvelle nation que nous construisons, est-ce que, en quelque sorte, dans la dynamique société qui est construite sous base de coopération, qui est sous base de solidarité, sous base de respect de la dignité de la personne humaine, vous avez montré que nous pratiquement perdu ça, nous pas gagné tout, par exemple, puisque nous construisons sous base de violence, c'est ça qui mène là. Ben, t'es gagné là, c'est difficile à dire, en fait. Alors, pour juste rappeler quelque chose, ça n'a pas trop longtemps, m'écrit un article en fait, en réponse à une question qui a été posée moi, une intervention que Mittal fait Carrefour. Comment peut-on traduire la dignité humaine dans la culture haïtienne? Ben, la position est choquée en quantité, la question en lui-même déjà choqué le monde, parce qu'on ne va pas comprendre comment faire qu'ils sont posés, comme si pas gagné. En façon pour dignité humaine dans la société haïtienne. Bien entendu, moi-même, non. Justement, et me préciser, c'est pas parce que le monde dit en créole dignité, tant que dans Tropicana, les musiques qui aiment dignité, ou, et tant que Jean-Alexité Diris, c'est pas ça, ça veut dire. Au fond, c'est qui dynamique, on m'a envie de dire cosmologique, cosmologique qui met en place, puisque en Occident, c'est comme ça lié. En dans ce direction, on produit en figure de l'humain. Alors, l'homme gardé à la fois, à part quoi, ça qu'a fait en Occident, qui fait en Occident, comment figure l'homme non constitué en tant qu'imago dei, précisément, dans la tradition judéo-chrétienne, image de Dieu, l'homme vient paraître comme porteur d'une parcelle de lumière, de divinité qui pourrait prendre forme à l'arrivée raison, lumière naturelle ou raison naturelle et dignité à la pensée en termes de ça. Et autrement dit, pour l'homme occidental, en dépit de tout, sa capitaliste, donc a produit comme réification ou autre chose, gagner un bagage qui est la caïmoune, qui est irréductible à toute tentative de chosification. Et c'est ça qui rend pensée critique là possible, c'est ça qui rend perspective de bonheur, bien-être pour l'homme possible. Parce que, de l'autre côté, dans la société haïtienne, dans le cadre d'une dynamique de constitution, en esclavage, c'est le premier travail qu'il fait, c'est décuire en figure de l'humain. L'homme noir, il va considérer comme bête de somme, bien meuble. Et c'est en dans le dispositif, ça n'a pas un sens, n'a pas un sens. Et me surprendre pour constater sécheresse, pauvreté, plutôt
Donc là, par rapport à la question, ça, même le parler de nègre, par exemple, pour traduire homme, mais ce n'est pas pour traduire humain. Il n'y a pas saisi la distinction entre l'homme et l'humain. Donc c'est dire que un véritable déficit, à mon sens, éthique dans la société, qui est lié à l'usure que l'esclavage, son dispositif d'usure de l'humain, son dispositif de bestialisation, d'animalisation. Donc, mes collègues ne sont pas trop d'accord avec thème animalisation, mais au fond, c'est bien ça. Et me penser nous porter en héritage, non dispositif symbolique, nous, qui sont zombies, c'est ça le cas. Zombies, c'est pas seulement le fait qu'on nous élève, zombies, c'est le fait qu'on a transformé en bête. C'est le fait qu'on a transformé en bête. Mais là, encore tout, professeur, il y a un outil qui est intéressant, c'est-à-dire que l'animalité, en quelque sorte, mais en cas de question de construction, c'est-à-dire qu'on est capable de dire une dynamique anthropologique, ou parfaitement prouver le monde, c'est par rapport avec non, ça se construit. De socialisation, etc. Donc, si on regarde la dynamique esclavage là, qui rentre dans nos pratiques de réification, ça nous les chosification en quelque sorte, donc c'est-à-dire que nous passons. Est-ce que en quelque sorte, esclave là, il joue une possibilité d'humanisation en quelque sorte, parce qu'on fait dans l'esclavage? Alors, mais c'est ça qui est toute question du point de vue anthropologique pour nous-mêmes en tant qu'haïtiens. Et à noter, justement, qu'il y a très peu de mémoire de l'esclavage dans la société haïtienne. Non, autrement dit, il y a très peu de mémoire des dégâts qui ont été faits sous nous-mêmes en tant que monde. Nous ne sommes pas attentifs à usure, ça y est, et nous voyons comment nous sommes capables de produire, réaménager, ils ont déjà un dispositif de l'humain. Comme nous ne sommes pas conscients de lui, à un certain moment, c'est lui qui a fait nous. Et Jean fait nous, lui fait nous, non. Production toujours de pratiques bestialisantes, que politique la baille, que économie en baille, que nous découvrons tout dans des rapports, on dit, dans des interactions humaines, zombification, c'est ça lié. Donc, c'est dit en principe, et si on a privé saisie réflexion, non, puisque l'émission Les Citoyens et la Cité n'est pas seulement arrêté dans la dynamique d'un capable dit intelligible. Dans ce sens-là, parce que nous avons arrivé à atterrir pour nous, c'est que si nous avons arrivé à comprendre, professeur, c'est que la dynamique que vous avez expliquée là, nous avons gardé par rapport avec la dynamique d'esclavage post, et nous avons dit pré-société haïtienne. Nous avons gardé comme si la société esclavagiste, ce n'est pas la société haïtienne en quelque sorte. Et la société haïtienne qui est construite après la déclaration de l'indépendance, nous allons considérer comme bâche culturel ancien esclave. Donc, qui pourra le transmettre, ça a été gagné comme valeur, comme principe. Et déjà, qui était caractérisé par une dynamique de violence et une dynamique de violence et d'exploitation. Donc, du coup, si nous comprenons ça, nous avons là son héritage typique de pratique esclavagiste, mais sous l'autre forme, une société indépendante et en quelque sorte. Alors, on dit son héritage, mais on a dit plutôt. L'expérience là finit par mettre en place une structure, un mode de structuration, un mode de faire société, qui, en dépit de variations historiques, de périodes, dates, autres, il était pareil. C'est production de l'homme de trop, c'est production de l'homme inutile, entre guillemets, ou bien tout simplement bon pour l'exploitation. Quelque part, on parlait de politique de la survie. Alors, la politique de la survie, qui ça voulait dire pour moi, il voulait dire, c'est cette politique-là qui toujours produit de monde, le fait de monde prêt pour la mort, mais qu'on ne peut pas mourir, parce qu'on jouissance sadique, en dans décrépitude, ça, qui fait que de monde existait. Comme autrefois, justement, décrépitude esclave-là, c'est fait que colons, il y existait, il y a certains piédestals anthropologiques. Je veux dire, donc, quantité de monde dans la société, justement, décrépitude, majorité de monde dans la société, permettent d'exister en tant que dignité, entre guillemets, bien entendu, par rapport à un idéal d'humain que tout le monde aime depuis l'Occident. Ah, ok.
Et oui, et nous, ce que fait, nous sommes capables de dire, on a vu topographique de situation par rapport à l'origine de situation que nous avons aujourd'hui. Hein? Donc, c'est une société morcelée. Nous sommes capables de dire, non, ce n'est pas même secteur, mais c'est communautaire, esclavage, Europe, Afrique, Taïno. Et puis, nous. Taïno, mais il faut nous prendre tout en compte, discours. Dans un sens, Foucault. Ça veut dire ordre de partage du monde ou bien de symbolisation du monde qui, en dans ça nous a carrélé diversité humaine, ça, il y a une classification qui fait, côté admettez européen, ou avec tout ça, côté comme valeur symbolique, du côté de la supériorité, et tout le bio qui est saisiment Afrique, là, du côté de l'infériorité extrême. Et comme ça, nous pouvons le partager entre social noir. Ouais. Il peut y avoir une dynamique société en haut, en bas. Les bails, en termes, bon, pas tabdil en haut, en bas, mais les barreaux ont ordre de légitimité, côté valeur qui plus en vue, qui plus valeur de visibilité, de distinction, il y a d'héritage occidental. Okay. Bien. Et, mais quand il y a là, nous avons une situation de fait, là, parce que je dis, hein, et que c'est dans même question de domination, question et représentation de dignité, etc. Nous avons construction de nos figures sociales qui lui-même qui mettait en valeur question esprit d'autorité en tout, qui est des gens qui là pour arranger l'espace et permettre que tout le monde vive. Bon, bien entendu, je parle de question de dignité. Hein, pour vous-même, à un sens qui est presque inexistant par rapport à la pratique. Pour moi, nous avons un contenu culturel. Nous avons un contenu culturel pour lui. Et Nadi, et c'est d'après vous-même, professeur, c'est comment sortir de là? Alors, écoutez, comment sortir de là, c'est déjà c'est comment nous constituer. Tout bagaille, du point de vue de l'homme, nous constituer par symbolisation. Symbolisation, il prend première forme dans un langage, la capacité que l'homme gagne pour le mettre à distance, réalité naturelle là, pour le représenter par deux symboles, par deux signes, et puis pour commencer par raconter, à partir de signes, histoire. Histoire qui c'est rapport lié avec environnement naturel, qui commence à faire sens, et qui commence à inventer des mondes, et rapport lié avec l'audio. Tout, bah, j'ai commencé là, c'est pas sans raison. Dès le début, on parlait de esclavage comme origine. Donc, premier barrette, on a commencé à faire, c'est raconter l'histoire nous, et puis regarder au cours de l'histoire nous, qu'est-ce qui passait. Et pour nous capables de connaître comment on a pré-raconté, raconter d'une autre façon, pour nous capables de constituer d'une autre façon. Ouais. Et par là, agir d'une autre façon, tout, parce que tout ça est lié. Parce que récit, là, c'est pas récit, c'est récit de ça ne vive. Et ça ne vive, ça n'agit, c'est ça n'agit, et action posée. Et façon de raconter, il a constitué du sens, il a produit des identités, et par là, donc côté Niala, c'est une forme de récit. Et mais professeur, bon, bah, vous dites là qui est intéressant, et c'est question d'identité, hein, et construit identité hein, par rapport avec, on est capable de dire, récit, et ça ne partager dans l'histoire, non, et tout ça, on est capable de considérer nous comme modèle. Nous construisons un modèle, et que modèle ça, donc c'est le modèle à transmettre. Mais c'est pour des générations futures, en quelque sorte. Bon, futur et générations présentes, tout. Présentes, bon, ok, on va comme ça. Mais et comment ça possible, professeur, pendant ce temps, dans notre dynamique société, parce que moi j'ai souffert, ok? Nous avons une dynamique côté que en plus le monde pas souhaité voyez comme haïtien aujourd'hui on nous prend dans le cadre de capable dire puisque nous avons l'état et dans sens moderne c'est ça je le dis nous avons toute réalité tout ça constitue lui et que moun qui ta soi-disant représentant considéré pour assurer protection ça bien comme valeur assurer question dignité même produit question identité ça n'a pas rien et eux même ils pas quoi là-dedans. Il n'y a pas quoi là-dedans et il n'y a pas quoi là-dedans. Et comment. Bon, en fait, il faut regarder ça qui fait pas quoi là-dedans. Bon, d'abord, il faut nous retourner sur la question de l'État haïtien, l'État moderne, avec quand même une nuance dans ça qui caractérise l'État moderne. Alors, première nuance que je vais apporter, la principale nuance, c'est que l'État haïtien, contrairement à la majorité de l'État moderne qui connaît ça au début, pas un État souverain.
son l'état, comme ça, son l'état a servi dès le départ parce que lié à la colonisation, il est toujours un état dépendant de pouvoirs et d'autres états extérieurs, anciens métropoles ou par la suite États-Unis ou bien Jodia, comme nous international là, qui fait que l'état haïtien toujours un regard tourné ailleurs pour recevoir soit de dictées de consignes sous mode de gestion. Deuxième bagage, ça correspond particulièrement à l'état moderne du tout, mais en perspective non de philosophie politique, mais plutôt de sociologie historique, du genre de Charles Tilly ou Robert Elias, l'état ici, c'est l'état moderne, c'est l'état qui prend naissance sous de guerres, sous de conflits, et qu'il y a de familles. Et comme dans ce sens-là, l'état haïtien, il y a de familles tout. Donc, il ne fait que ça que l'état haïtien a deux grandes déterminations, communauté internationale, deux familles, et voilà, c'est à partir de dynamique ça, cadre ça plutôt, que Paul Gadi qui rapporte avec la majorité du monde dans la société. L'état haïtien va porter tout préjugé colonial par rapport à la monde dans la société. Et préjugé colonial, ça va inspirer ou bien guider politique de discrimination, d'apartheid, d'exclusion ou d'extériorisation que le produit société. Nous comprenons que l'état haïtien, pas l'état qui est fait pour la société, il est fait pour servir de famille, pour servir d'intérêt communauté international. Donc dès lors, nous comprenons pour qui ça que nous ne pas retrouver dans ce qu'a fait ou bien la dynamique d'identification qui est dans la société. Parce que l'État ici par une préoccupation pour instituer de formes d'identification pour la simple et bonne raison que. Excusez, c'est un discours que je retiens, mais est-ce que là nous sommes capables de parler de l'État haïtien et s'il pas préoccupé, si préoccupation c'est pas la réalité d'Haïti. Pour me penser déjà, il faut nous défaire de une représentation, de une compréhension de l'État qui t'a tout simplement. En fait, dans le sens que son instance de grande généralité, qui est la table générale du commun, ou autre, mais majorité état post-colonial, alors état post-colonial du côté des pays colonisés, ces deux états, servent ou asservis que vous voyez, ils dépendent très souvent de anciennes métropoles, mais qui fait, qu'a fait et défait, et qui reprennent même discours des fois racialistes ou racistes contre autochtones. Et qui va le déployer sous des formes de politique publique d'exploitation, de sous-traitance, d'exclusion. Donc, si Mounio en dans l'État pas préoccupé par question d'identité autre, c'est pas parce que et c'est pas par un accident, c'est parce qu'il y a déjà constitué un discours ou bien un récit identitaire et qui nourrit et qui entretenu politique gain dans. Ça, oui, l'État haïtien n'est pas différent de tout ça. Bah, ok, c'est déjà intéressant. Et par rapport à la même logique, l'État haïtien post-colonial et avec rapport dominant-dominé, la métropole, l'ancienne colonie, etc. Oui. C'est le même schéma qui est fait. Alors, pour théoriser de façon systématique la question de ça, mais m'a découvert que mon principe de duplication. En histoire ou bien même dans la nature, c'est-à-dire capacité que l'homme gagne pour déplacer fait, de barrière qu'a fait de l'autre côté il duplique et penser dans le cas de l'État haïtien, c'est pareil. Ouais, l'État haïtien, c'est une duplication de l'État colonial moderne, européen, avec bien sûr de nuances, mais les chitas sont particulièrement. Samedi tout à l'heure, et extériorisation, c'est-à-dire produit des extériorités pour capable déverser à la fois violence et déployer toute forme d'exploitation. Okay. Et c'est comme ça nous vivons. Donc, il y a toujours été l'État, sinon que, son état contrairement à ailleurs, vu situation, logique de dépendance qu'il a donne, il vient une moins marge. Lui proposer de bagailles dans le social ou autre dans la société, peut-être qu'il va trop préoccuper le tout, qui baille en caractéristique plus d'impression qu'il y a une rigueur, il y a une austérité plus grande par rapport à l'autre côté, côté gain de politique sociale plus ou moins, même là encore, politique sociale, ça
je dis à la Mabdili, à deux étudiants, politique sociale, ça y est, en règle générale, c'est la force de lutte. L'État n'a pas rien. On arrache des bribes, des miettes à l'État. Parce que l'État, c'est toujours un instrument de famille qui mettait un monopole de domination sous majorité du monde et puis qui a profité de ça. Okay. Bien, et parce que on est parvenu dans la vidéo, hein, et amis, le citoyen et la cité, c'est par rapport à la compréhension que vous avez d'agir sur la dynamique réalité société dans les autres et origine des autres généralisés que nous avons là dans la société. Hein, qu'il y ait par rapport avec une absence de compréhension alors, de la dignité. Nous avons juste signalé, parce que ça permet de prendre plus forme. C'est par rapport à la question de la sécurité qu'il a et l'État. Alors, même ça constater encore une fois, les démarches au sens, c'est des démarches qui allaient de la genèse, mouvement de constitution, ou un mode de structuration qui a mis en place, et puis variation. Il y a des biens en période coloniale, le pouvoir métropole, c'est toujours un pouvoir délégué, et négocier avec de l'autre monde, Mahon, chef de bande par la suite, et tout ça. Et remarquer, même après l'indépendance, l'État ici, par exemple, bali souci pour le contrôle espace là, et entièrement. Et parce que l'État ici, au début, ça a été l'État de Port-au-Prince, ou bien des grandes villes par la suite. Et puis, Espaceul qui était dans l'un de notables, par population, comme j'ai dit, de bagaille. Et me pensais, je dis, à figure que les bandits, gangs ou autres, c'est ça lié. Donc, c'est comme si le pagon État institutionnalisé en quelque sorte. L'institutionnel. Alors, là encore, il faut comprendre. Mon collègue qui toujours me dit que nous n'avons pas eu de l'État failli, il ne veut pas partager position sociale, parce que mon l'État en retrait, je pensais qu'il y a raison dans ce sens-là. L'État institutionnalisé, mais c'est ce qui mode. Il n'est pas institutionnalisé pour gérer du commun, il n'est pas institutionnalisé pour sécuriser justement société à citoyens, il est institutionnalisé justement pour faire de temps en temps de irruption dans l'espace social là, pour de violence, pour calmer de revendications, de révolte, et pour apaiser, alors apaiser, tranquilliser, confort, famille qui gagne contrôle et pouvoir. Là. Je dis encore, même m'inviter les citoyens attentifs à ça. C'est à qui mon bagage de sécurité a profité. Et là, on a proposé qui bon vous voyez. Ouais. Et nous dit juste ben, deux pistes. Les gens qui ont circulé. Les trois catégories qui ont circulé. Les gens qui ont l'argent, les gens qui ont le pouvoir et bon. Et si nous faisons une bonne sociologie, nous avons déjà tous les trois éléments ça rencontré quelque part. On prend des rencontres, là. Donc, rencontrer l'État, il est là pour assurer une sorte d'interface entre population, société et monde, famille, ça, c'est pour ça l'armée d'Haïti est là un certain temps. Je dis à la PAG et l'armée d'Haïti, il y a un système, il y a la police, un système, on est capable de dire, de répression diffuse que Bandio met en place et avec la police. Dernière fois, vous signalez les questions, hein, c'est du point de vue sémiotique pour nous garder. Par moment, en termes même de signes, de images, policiers et bandits, on va identifier. Ah, ouais. Ils ont tout en cagoulé, ils ont tout en façon. Et en répression, tout par rapport à la population. Hein, qui une fait que c'est même dispositif de gouvernementalité qui là, que véritable préoccupation, c'est contenir nous dans la misère. Et pas bas aux possibilités pour revendiquer situation d'extrême pauvreté que l'on a dit. Nous dit d'animalisation, de bestialisation, parce qu'au fond, réduit mon niveau à simple préoccupation de manger, qui va même qu'à joindre, c'est réduit à dimension biologique, autrement dit dimension animale. C'est même ça, nous partager avec Benjo, avec Patrick, etc. Voilà. Tout aspect qu'une dimension en commun, c'est du symbolique. Ouais, de la spiritualisation ou bien de dynamique d'urbanisation, ils ont empêché. Je vous dis à l'école, l'école ne va pas dire rien. Quoi. Et tout dispositif, que ce soit le monde qui n'a pas pouvoir dans l'opposition, c'est faire ce que l'école va fonctionner. Autrement dit, c'est créer conditions pour nous, chaque fois, plonger dans l'animalité, dans la bêtise,
ou dans la bestialité.